Encore une fois, on manifeste tout simplement parce que le gouvernement, il entend toujours pas nos revendications depuis le 14 mars dernier. Aujourd'hui, on manifeste pour 4 points de revendication en particulier. Le premier, qui sont les retraites, réforme des retraites, parce que nous, on voudrait partir quand même à 57 ans. Également pour la revalorisation de la prime de feu qui n'a pas été augmentée depuis 1990. Aujourd'hui, elle est à 19%, on voudrait qu'elle monte à 28%. On est aussi pour les embauches statutaires du recrutement, parce que nos interventions, elles augmentent d'année en année et nos effectifs, ils stagnent. Et le quatrième point, qui sont les agressions, soit physiques ou verbales, auxquelles on est de plus en plus sujet. On est en colère parce qu'on a l'impression de ne pas être entendu. Ça fait 11 ans qu'on subit des augmentations d'intervention, ça fait 11 ans que nos indices sont gelés, hein, comme tout fonctionnaire de France. Et on est quand même la seule profession en France à ne pas être reconnue métier à risque. Donc je pense que si nous on n'est pas métier à risque, qui veut le plus que nous? Vous en voulez aux policiers? Ouais, parce qu'ils sont au service d'un gouvernement, pas de la République. Ils se sont fait acheter au début du mouvement social. Ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu. Et là ils sont au contact. On est sur un parcours bien délimité. Et ils sont venus tout de suite au contact. Je vois pas pourquoi. Ils font de la provocation. Moi j'appelle ça des collaborateurs, vous savez, entre 39 et 44. J'appelle ça des collaborateurs, ils sont pas au service de la population française, ils sont juste au service d'un gouvernement, c'est tout. Pour un gouvernement tout aussi vendu à l'Europe, vendu aux gros groupes industriels et aux banques. Ouais, j'en veux. Ouais, les policiers prennent pas les CRS ne prennent pas leurs responsabilités, ouais. Thank you.
dessus. Ils sont tirés dessus. Ils ont tiré dessus. Ils ont tiré dessus. Il a été touché à la tête. Il a été touché. C'est dégueulasse. C'est ignoble. Bande d'enculés. Ils l'ont dégommé sur la tête. Garde ta France, elle va bien.